Nous allons faire la mise en main d'un désalinisateur sur un Lagoon 450. C'est un matériel professionnel. Ce désalinisateur est attelé au moteur. Il produit 220 litres à l'heure. Nous avons donc mis le moteur en route à 1450 tours minute. Ici, le mode d'emploi du désalinisateur. Nous allons donc produire de l'eau douce. Premièrement, je mets mon désalinisateur en fonction. En ouvrant mon interrupteur, je vérifie que mon eau de mer circule bien. Il y a bien le rejet d'eau de mer à l'extérieur de la coque. Je vais maintenant monter mon robinet haute pression à 55 bars pour avoir ma production d'eau douce. Voilà, je suis à 55 bars et je produis actuellement mes 220 litres à l'heure qui vont directement au réservoir principal du bateau. Ce qui est important pendant cette production, c'est de ne pas faire varier son régime moteur. On reste bien à 1450 tours tout le long de la production. Une fois le réservoir rempli, je descends ma pression en dévissant mon robinet de pression. Je repasse à zéro et j'éteins mon désalinisateur. C'est assez simple mais très efficace. À utiliser au mouillage à un régime constant de 1450 tours. Bien sûr, il faudra éviter les hydrocarbures si vous avez un bateau qui fait tourner son moteur juste devant vous et éviter aussi les algues qui peuvent venir boucher le circuit de refroidissement du désalinisateur.